Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi de faire cette vidéo pour vous encourager. On est aujourd'hui à J-6 de notre live du 1er mai et j'aimerais vous encourager avec un passage dans le livre des Actes au chapitre 1er au verset 3. Après qu'il eut souffert, on parla de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mettez-vous à la place des disciples. Alors qu'ils étaient là, sur terre, quelque chose se passe. Jésus qui est mort et qui est ressuscité réapparaît devant eux, comme vous. C'est comme s'il y a quelqu'un qui apparaît devant vous en chair et en os et se met à leur enseigner les choses du royaume. Et ça, c'est quelque chose qu'à chaque fois que je lis ce passage, ça m'interpelle au plus profond de moi-même parce que je crois que Dieu a réservé des surprises extraordinaires pour chacun de nous. Alors on va lire ensemble la suite. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ça, ce passage m'interpelle particulièrement parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, si le jour où Jésus apparaît de manière physique devant moi pour m'enseigner les choses du royaume, la première chose que je veux faire, c'est d'aller courir partout et de voir mes amis et leur dire que Jésus est apparu et qu'il est réel, que le royaume est réel. Mais pourtant là, Jésus fait quelque chose de spécial. Il leur demande d'attendre. Il leur demande d'attendre que la promesse qu'il leur a faite puisse arriver. Alors, quelle est cette promesse? Cette promesse, c'est qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne sur eux afin qu'ils deviennent des témoins. Et cela, mes amis, est l'une des choses les plus extraordinaires qui a pu arriver aux disciples. C'est quand ce jour-là, ce fameux jour de la Pentecôte, quelque chose se passa. Alors qu'ils étaient ensemble et qu'ils priaient et qu'ils étaient unis, quelque chose se passa. Ils attendaient que la promesse que Dieu leur avait faite puisse devenir réelle. Et tout à coup, un bruit se fit entendre. Et le Saint-Esprit descendit sur eux comme des langues de feu. Et ils se mirent à parler de nouvelles langues. Voici, mes amis, ce que Dieu veut pour chacun de nous. Si tu es chrétien aujourd'hui, comprends une chose. Le Saint-Esprit n'est pas juste une force. Il n'est pas juste une énergie. Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu l'Esprit. Et Jésus veut te baptiser dans son Saint-Esprit comme jamais auparavant. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais avoir un impact sur les gens. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, tu deviens, la Bible nous dit que tu deviens un témoin. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens chrétien, Dieu te touche, tu commences à avoir une relation avec Jésus, mais quand il vient sur toi, quelque chose se passe pour les autres et ça devient visible et tu verras que les gens autour de toi vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux le Dieu que tu sers. Tu as une joie que je ne comprends pas. Il y a une puissance qui dégage de ta vie que je ne comprends pas. Donc, les amis, j'aime le défi que j'ai pour vous. C'est d'aller, je vous encourage à aller prier, de demander à Dieu des noms de personnes qui sont dans votre entourage, d'accord? Et vous notez ces noms. On va prendre 5 noms par exemple. Et le défi que je vous donne, c'est que d'aller partager avec ces 5 personnes le témoignage de votre vie, de ce que Dieu a fait pour vous. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.